Les lutines qui arrivent, cachez-vous. De toute façon, on sait bien que Ender il va ressortir Superman. De toute façon, c'est moi qui gagne cette année. Shuni va ressortir Blanche-Neige. Que tu crois. Ouais. Que tu crois, mon petit. D'ailleurs, Shuni, il n'y avait pas Ender derrière ton écran, j'espère, quand je suis passé. Non, 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 t'inquiète, il a absolument rien vu. Moi, je me rappelle du Superman d'Ender. Oh, c'est beau. Oh, il y a un truc tour. Eh, Emery, ça arrive. Hey, c'est j'ai payé les pièces du cartel, c'est beau. Oh, putain. Ah oh, mais tu fais je trop. Je peux me permettre, mais le déguisement est énorme, mais pas que. On dirait un énorme marshmallow maléfique. Ouais, tout à fait. Machiavélique. Oh merde. Bon mais Papuche, tu peux hein. Jaloux. Ah là là. Bon, dégagez tous du Wampa mort là. Éloignez-vous tous du Wampa. Ah désolé, j'ai trébuché dessus. Vous allez Wampa. Tu couches vraiment salut, avec la et vous avez passé les uns après les autres sur le Wampa et vous allez nous dire en quoi vous ah, mais pas tout de suite, hein. Mais on va pas vous dire. D'accord, alors. Des gros. Papuche, on attend que toi, là. Comment ça, on attend bah, que toi bah, décoreux, quoi, avec ton bon perso. T'es sûr? Oui, je suis sûre et certaine. Oh mon dieu. Allez-y. La pression. Allez-y. Attends. T'as assez de place sur toi ou pas? J'ai un peu de place sur moi. T'as un peu de place? Est-ce que t'as 26 places? 49 sur 40. 80, ça fait combien? C'est bon. 51. C'est allez, vas-y. Ça fait plus que 41. On pouvait pas juste faire ça tout à l'heure quand je te les ai tous donnés. Mise en 80, je pense. Faut que je te redonne dans cet ordre-là en plus? Ouais. T'abuses. Non, t'inquiète. Ah, c'est tout? Tu m'en donnes pas plus? J'ai noté l'ordre, t'inquiète. Ah, il y a un truc pendant que Papuche me troque aussi que vous pouvez faire, c'est enlever vos armes. Mettez-les juste dans un coin de votre inventaire où vous ne risquez pas de les vendre. La primaire. Ça sent le vécu, hein. Non, c'était pas sur les armes. Tu confonds vécu et QV. Oh, bien souvent, c'est les deux ensemble. RD1. Oh, je suis trop picolé hier soir, putain, il est où mon slip? Mais du coup, Sunny, je suis dégoûté parce que je peux pas équiper de sabre. Mais c'est pas grave, de toute façon, on n'a pas nos armes. Que tout le monde enlève ses armes. Salut. Hello. Allez. Salut. Bah, c'est parfait, un de plus. Allez, voir. Allez, ça commence. Barre de petit, enlevez ton partenaire, s'il te plaît. Oui. Merci. Oula. Oh, petit à voix, mon ami. Des petits problèmes. Tu vas pas nous chanter Petit Papa Noël ce soir? Non, pas du tout. Ah, ça craint. Merci. Et puis tu peux mettre ton déguisement si tu en as prévu. Hein. Ah non, mais j'ai rien prévu du tout. Bah mets-toi à poil, alors ça fera l'affaire. T'es morte la semaine, donc... Tu diras que t'es déguisé en mets-toi toi, tout nu et ça fera un haricot vert. Ah, j'ai trouvé le déguisement d'Ender. Il est top. Ouais, je me demandais une boîte. Ouais, c'est facile. Je suis déguisé en boîte ce soir. Et vous êtes tous prêts? Oui, vas-y, à boule. Attention, surveillez bien le canal Guild. Tu sens que, vu la hype qu'il a mis, si c'est pas drôle ou un truc comme ça, ça va être le beat. Derby. Oh, c'est pas drôle. Ah ouais, c'est pas drôle, c'est juste du troll phénoménal. Merci qui? Merci Barb. Merci Barb pour le pseudo. Merci Barb. En fait, c'est elle. Paquets de neige. Il faut que tu dises quand même quel pseudo t'avais avant parce qu'il était pas mal. J'avais Derder Tontont ou Derder Nightmare. Derder Bing, c'est mieux quand même. Ouais, et du coup, il y a Bard qui est arrivé sur son cheval blanc et qui a dit. En fait, il m'a demandé, il m'a pris à part, il fait ouais, j'ai pas une idée et tout. Puis là, j'étais, je sais pas, tu vois, ça. Dans ma tête, il y a tout qu'à défiler. Là, j'ai fait. Moi, je veux pas dire, mais il a pas ressorti Superman, hein. Ouais, tout à fait. Oh là, oui. Oh, ah, c'est cool. Pas mal, ça va, ça finit en man quand même. Hein. Eh, vous avez vu? Waouh. Je suis le portrait craché. Alors là, de je sais plus où donner de la tête. Oh merde. Imposteur. Merde. Là. Il te manque l'armure pour la quand il est hors DPS. J'adore. J'aurais pu aller la chercher, c'est vrai. J'aurais pu aller chercher l'armure. Un petit foutage de gueule.
Ah ben voilà, Bob, ah, t'es parfait comme ça. Fini, je te mets aussi ton déguisement. On peut faire la Rapunzel bientôt. Mais le pire, hein, le pire, Ender, c'est que j'ai l'arbre, j'ai l'arme de lumière là, qui ressemble exactement à ton arme de Kefra. Et je peux pas l'équiper parce qu'il faut lumière 3 et que c'est un perso token. Ouais, mais si t'avais le sabre de dragon Kel, t'aurais pas besoin. Ouais, d'accord. Je m'en fous, je suis amourable maintenant, je suis derder. Je peux partir en OP, c'est pas comme ça que ça marche, on m'aurait menti. En tout cas, c'est prêt pour tant qu'on nightmare. Ah ouais, non, ouais. Mais je vais le garder ce perso, hein. Je le sortirai en OP de temps en temps. Juste pour déconcentrer celui-ci. Fais comme un derder, sa vie de tante et d'un gros un derder. Un peu de il est colto un derder, mais jamais rien ne l'empêche derder. Tant qu'en nightmare, mais je sais pas ce qu'il faut faire. Ce soir c'est ma première, et on n'est même pas en nightmare. J'ai peur de fait d'herderti. Comment on tank celui-ci? Je me mets là ou ici? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Bref. J'aurais bien fait en live, mais je vous avoue que ce soir c'est compliqué. Et moi je suis déjà bourré, je vois double. Tiens, bah en parlant de ça, j'allais me resservir un verre. Eh, c'est pas les mêmes jambières. Non, ouais, parce qu'on les voit plus, les jambières qu'il a, c'est les jambières de Maelstrom. Non, c'est des jambières que j'ai drop sur Martel, s'il te plaît, en normal. Eh ben, regarde le nom, c'est marqué Jambière Maelstrom, je sais, parce que j'ai chopé tout stuff pendant une OP. Je les ai droppés sur la deuxième zone litigieuse en normal quand j'étais niveau 18, quoi. Attends, mais je vais regarder un peu si j'enlève ça. Est-ce que ça ressemble mieux? C'est pas loin. Bof. C'est un peu trop blanc, carrément quand même. Pas loin. Joie double. Et t'es pas bourré. Et nous sommes deux. Mirette, où es-tu? Oh putain. Oh, faut pas que je vienne tanker en OP avec ce perso. Hein. Ah, ma guiche. Bon, messieurs, dames, on va officiellement lancer le Noël 2018 des Fate to Wipe. Bienvenue. Et il nous manque Quentin, qui l'avait dit qu'il serait là, je pense. Le vilain. Il est pas ou qu'il est vilain. Ou qu'il est le vilain, il est pas connecté. Et puis, oui, qui a dit qu'il aurait un peu de retard, mais il devrait pas tarder. Et du coup, on accueille les nouveaux parmi nous avec cette soirée qui, je l'espère, sera mémorable. Et on a un petit cadeau pour commencer. Il y a Emrys qui nous a rejoint il y a pas longtemps et il était chez les Red Five avant. Et du coup, on a un petit passif avec Emrys, mais outre le jeu, faut dire que c'est quand même quelqu'un de très très gentil et qu'on a beaucoup apprécié. Donc, j'aimerais un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Ah, le mec qui ressemble à Emile Louis. Mais non. C'est lui, voyons. Voilà. Je le ferai sur tes autres persos. Félicitations. Ouais. Emrys est officiellement membre. Voilà. Pourquoi ça me coupe le son tout seul? J'en sais rien, ça m'est. J'ai le push to talk qui doit applaudir, mais le cœur y est. Je peux te couper pour que tu m'invites? Bah, oui, dis-moi. Tu peux applaudir? Alors, je m'appelle Chamousse. Chamousse. C'est comme un chat et mousse. Avec un T? Avec un T? Mais un chat avec un T et puis M-U-S. M-U-S. Ah, Chamousse. Chamousse. Genre, je me fais attaquer par Spider-Man, quoi. Et il est kryptonisé, le machin. Oh, c'est quoi ça?
Et du coup, t'as enfin décidé. Tu peux nous rejoindre. Alors, t'as pas fait de fiche. Oh, c'est Chamousse. Oh, eh, hey, salut, Chamousse. Ah, Chamousse. Merde. Mais c'est un jeu de mots, parce que normalement c'est salut, c'est un cater, et du coup je l'ai appelé Chamousse. Une chatte mousse. Une chatte mousse, le mec qui courait dans l'herbe. Ça s'appelle une MST chez moi. Oh non. Ami de la poésie. C'est immonde, c'est tellement vrai, mais c'est immonde. Tu filmes, Chini? Oui, oui, t'inquiète. Ouais. Ah. Le pire, c'est que j'en ai plein de chansons comme ça. Crash, je peux plus faire ça, moi. J'ai perdu. Ah putain, je sais en qui tu t'es déguisé. Ah, mais j'étais en train de me dire. Je croyais que la Kaiserke elle buguait parce que je te voyais debout à travers, mais c'était pas toi, c'était Derderby. Oh, genre, il y a Spider-Man Bioman. What the fuck? Mais là, en fait, Spider-Man, vas-y, on joue. Il vas-y, viens de battre. Au... Tu sais à qui me fait penser, Maurice, à quoi il s'est déguisé? Au personnage de Dragon Ball Z. Oh oui, ouais, avec sa petite queue derrière. Comment il s'appelle? Le gros boulot. Oui. Non, il est où, il est où? Oh, oh Spider-Man, trop bien fait. Pas assez gros. Ah, j'ai bien trouvé. C'est ça d'avoir 6 ans de jeu dans les pattes. Hein. Il est quand même, il est presque obèse, mais il y a quand même des énormes... Et quelques millions à cracher. Effet. T'en as eu pour combien sur la tenue? Je me suis fait un peu avoir, parce que si tu veux, la tenue... Thierry, c'est Wonder Woman. J'en ai plein sur l'autre serveur. Toutes les pièces, elles étaient à genre 200-300 000 euros, mais sauf l'armure, j'ai dû acheter la caisse et elle valait 8 millions, quoi. 300 000 euros. Oh, c'est dur, c'est dur pour toi. Ouais, ça fait chier. Ah, Camille, c'est les cloches de Pâques, non? Pourquoi tu dis ça? Bon, un du jour coup, on m'a dit qu'il fallait que je le porte pendant une semaine. On va commencer avec le déguisement tranquillement. Ce qui va se passer, c'est qu'on va... On va juste laisser le tapis Wampa ici pour ceux qui se présentent. Donc on va se mettre un peu à l'écart. Et puis chacun à votre tour, vous allez avancer. Bah, c'est moi qui vais vous dire l'ordre parce que j'ai noté avec la liste des cadeaux en fait. J'ai mon cahier sous les yeux. Quand je vais vous appeler, vous allez vous mettre là où il y a Bing's ta mère sur le tapis Wampa, puis on va deviner votre déguisement, et puis vous aurez des cadeaux si vous êtes sage. Et puis on vous expliquera ce qu'il faut faire. Je reviens un verre avant, je reviens. Va, va. Donc c'est Bard qui commence. Ah. Bing's. Ah, c'est trop gentil. Bing's, Bing's. Bard, ah oui, alors rappelez que le... je viens de voir un Spider-Man, il est passé. Le thème de la soirée... Iron Spider. Le thème de la soirée déguisement, c'était un héros. Et... Bah ça va alors, c'est espèce de... Avenger est parmi nous. Bah du coup, moi j'ai bien choisi mon déguisement. Bah oui. Oui. Allez, tu peux te mettre sur le tapis Wampa et faire ta révérence. Bah moi, je me suis trompé, j'ai pris un zéro. Ah non, pourquoi est-ce que j'ai le pseudo qui s'affiche? Moi je pensais que t'étais déguisé en haricot vert, mais avec ton pantalon ça fait un peu plus nul. Putain, c'est ça! Géant vert. Non. Géant vert, yeah. Moi, duel. Non, moi je suis en Hulk. Oui. Non, c'est Bulk. Non, moi j'aurais dit bouffon vert. Ah, bouffon vert, c'est comme ça. Pas mal. Alors. Ouais, ça, c'est le bouffon vert. Je vous avoue qu'on a tellement de cadeaux que je sais pas par où commencer. Donc c'est ce qui va se passer là maintenant, c'est que quand vous avez fait votre show, vous pouvez aller voir la lutine Terry. Non, vous allez pas voir c'est la moi. Lutine Terry. Vous allez voir il est où? Derder? Ah putain, t'es là. Bon. What? Lequel? Le doppelganger. Binks. Voilà, vous allez voir Binks. Et puis, il va prendre une photo de vous, parce qu'il va y avoir un concours de déguisement sur le site. On aura tous une photo, vous pouvez faire une pause, et puis on... Oh putain, je vois double encore. Et... C'est très louche ce que vous faites. Genre, un lance-missile... La balle, la couleur de cheveux, l'arnaque, tu m'as menti, je suis dit. Ouais, je sais pas... Oh, attends, oh. Je crois que j'ai un problème, les gars, j'ai un lance-missile qui me pousse en dos.
Et on votera et il y aura des thèmes, enfin des catégories de meilleurs déguisements et voilà. Bref, donc Papu, je vais vous prendre en photo et vous donner les premiers cadeaux de la soirée. Voilà. Tu peux te mettre un petit peu sur le côté, Binks, genre sur le, ouais, soit sur la tête, soit sur les pattes du grand pas arrière, et puis tu donnes les cadeaux au fur et à mesure. Et tu. Ouais, on a un spinder, on a un Spider-Man furtif dans le champ. Tu m'as même pas vu. Tu me vois plus. Tu me vois plus. Tu Mais me toi, vois. genre On voit sur un un côté là, et puis tu peux lancer le jukebox aussi, mais comme ça on te voit bien. Et puis tu dis ce que tu donnes, s'il te plaît, comme cadeau pour la vidéo. Je suis coincé. Oh, sérieux. Bah oui. Ça commence. C'était Ulvik qui se coinçait toujours dans les trucs avant. Oh oui. C'est juste le temps de faire Tu réapparaître peux mon pas interface. accepter. Ah. J'étais en train d'essayer de te grapper. Quelqu'un peut enlever sa soupe ou pas? C'est le riche ici. Ah bah c'est bon. Du coup, allez-y, prenez la pause hein, sur le tapis quand elle vous appelle. Eh ben vas-y Bard, vas-y. colle bien, ça colle bien. T'emmerde pas à faire un truc trop artistique, hein. Faut juste qu'on voie le personnage et basta. Ouais, c'est bon, on le voit. Ok. Eh ben, au cadeau. Pourquoi tu m'invites dans un groupe encore? Non, c'est de tout à l'heure. Tu peux enlever la barrière de prod que t'as sur toi, s'il te plaît, c'est moche. Non, Bard, tu peux enlever la barrière, s'il te plaît. Merci. Du coup, Bard, tu peux recevoir ton. Attends, est-ce que c'est bon? Oui, c'est ça. Je te les ai rendus dans l'ordre. Hein. Moi, je suis pas responsable. Oui. Et voilà. Bon, gentil. Ah, J'ai merci. des sous. Tu dis ce que c'est? Ah non, tu dis pas ce que c'est, tu diras après. On dira après, parce que sinon ça va spoiler les gens. Les miens, les cadeaux. Bah oui. Ça va poiler les gens. Wow. Allez, vas-y. Non, mais je pensais pas les dire du tout, mais c'est pas utile ici. C'est pas les cadeaux qu'on échange, c'est les cadeaux. Bah oui, mais c'est pour la vidéo, enfin c'est comme tu veux. Oh. C'est pour la Et ben, postérité, tu comprends, que nos petits-enfants, des petits-enfants, ils regarderont. Et ben, Bard est le joyeux propriétaire d'un envoyé dans cette. Je ne savais pas comment ça s'appelle envoyé. C'est en Trade Envoy. Bah, Lincoln Guild, sinon. Ouais, ça Et va être ben, plus c'est pas simple. moi qui l'ai, donc Bard, Lincoln Guild. Putain, j'ai 36 ans. Hein? De quoi? Link, ce que t'as reçu dans le canal Guild. Ah, On ouais, m'a c'est rappelé comment on fait. Zelda. C'est comment déjà? Du coup, N'hésitez j'ai pas pas à aider les arrêté vieux. Image clic gauche. Ah oui, image, putain, je faisais. de lire. Ouais, c'est tout ça. Oh merde. Ah bah non, ça marche pas. Bah, dis le nom seulement, c'est pas grave, t'embête pas. Et truc de je sais pas quoi là, de représentant commercial. D'accord! Le truc de je sais pas quoi. C'est un Et un set speeder extrêmement. gardien Rendili. Super. Ah bah Ah, tu voilà. fais beaucoup tu Et fais beaucoup de trucs. suivant. Alors, Voilà. suivant, c'est Emrys. Le blob. Attends, le blob, non mais oh. Le gros chamallow. Moi, je te dirais de faire une agace. Ah, voilà. Oh putain.
Bouilleux son pancake. Bon, t'as eu le bon timing. Je sais pas du tout, je regarde, je sais pas impression écran. Il va se retrouver avec 50 000. Non, mais t'emmerdes pas à faire des trucs trop compliqués. Hein. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est le sumo dans Street Fighter 2, c'est ça? Elle est magnifique. On fait surtout penser à Kenshu. C'est Kenshu! C'est qui Kenshu? Je connais pas. Est-ce que c'est un héros ou pas? C'est une question. Ah, c'est un héros pour la République? Alors, tu es l'euro propriétaire d'une armure de loyaliste Hugo et d'un speeder Rendini. Merci! Oui, alors les speeders, on les vend pas, hein, Emrys? Normalement, j'utilise. Ah, c'est... Non, mais c'était la première question que t'avais posée au Noël 2015, c'était on peut les revendre? Parce qu'il l'avait déjà. La grenouille! Il n'y a pas de petits points. En plus, ils étaient trop beaux, les petits speeders grenouilles qu'on avait choisis à l'époque. C'était tellement marrant. Ah oui, ces machins-là, c'est vrai. Bon, alors le suivant sur la liste, c'était Quentin, mais il est pas là, donc on garde de côté pour lui. Après, et eh oui, il est pas encore là. Mika? Ouais, j'avance. La cloche. La grosse cloche. Ta-la. Alors là... Alors lui, je sais vraiment pas en quoi ouais, il moi est. Non. Oh, mais il est déguisé en n'importe quoi. En super cloche. Ah oui, super cloche. Et en casse-couille, tu vois, c'est surtout ça. C'est une caracloche. Un suppositoire. T'as déjà vu un suppositoire avec une cape? Ah, c'est hey, bon. C'est là, c'est ce qu'il a commencé ça à faire. Ça chatouille en passant. C'est super suppo. Super suppo. Super suppo. Ah, il est intense, le suppo. Ça. Ça va être suppo. C'est un suppo de Satan. Genre, c'est normal que j'en ai deux? Ah ouais, c'est super bien. D'accord. Merci. Et alors, du coup. C'est ensemble d'armures cybernétiques série 510. Celle-là. D'accord. Ouais. Eh ben, GG, voilà, joyeux Noël. Ouais. Oh, c'est cool. Elle est cool. Ash, alias Nevan, alias le truc là-haut sur le toit. Et c'est prêt pour 4 Zaïs, le machin. Si, c'est extrêmement grillé. Essaye de regarder vers moi qu'on voit ta tête. Sinon, les gens, ils arriveront pas à deviner. Ouais, attends deux secondes. Derder Binks, celui qui saute, pas l'autre. Ouais, je me trompe avec les derniers. T'es en train de faire assez réré. Oh putain. C'est assez réré. La SketchUp. Exactement. C'est quoi ce corps? Attends, je peux faire ça? Ça va être marrant. I like to vomit, vomit. I like to vomit, vomit. Oh là, toi! Vomit! C'est bon, j'en ai assez. T'as peur toute crédibilité. Le suivant, c'était Boulgou, il est pas là. Derder, le vrai. Ender, Ender Kelderon Firecam, le vrai, le seul et l'unique. C'est ouais, merci. Et une armure cybernétique 612 ZZ. C'est Batman. Exactement ça. T'as trop trouvé ça. T'es trop trouvé chat qui mousse. Non, je propose que ça devienne Blue Waffle, son. Oh non. Ah si. Non. Ah si. Le surnom officiel. Oh mais non, mais j'arrive à me... Oh là là, j'arrive, je rêve. C'est bon. Et c'est quoi la danse, là, Droïde. Droïde.
Drôle. Il est en train de me la faire en vrai, quoi. Quoi, cette danse dégueulasse, c'était la danse du verre, là, où il battait les bras, quoi. Ah oui, c'était la danse du verre. Ça fait Iron Speeder. Quoi, 192 millions? Ah, c'est trop gentil. Félicitations. Oh, pardon. Une armure de Hald. Yes. Merci. Et un gardien Rendili. Il y a Marshmallow qui est en train de draguer la cliente, là. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Mais non, regarde, c'est comme ça qu'il faut faire. Quoi ça? Oh non, ça, c'est Riri. Ah oui, c'est ça, voilà, merci. Merci, Bard. Oh, merci beaucoup. Ah, ça, c'est Riri. Papuche, c'est à toi. Ouh. Tu t'auto-donnes des cadeaux, tu t'auto-prends en photo, tu t'auto-congratules. T'auto-flagelle aussi, si tu veux. On veut pas le faire, ça, le flageller? Ouais, je vous laisserai pas. Oh. Pas allez, quand il est habillé comme ça, en tout cas. Je trouve, faut que je trouve un truc sympa à faire, tu vois. Sinon, c'est une hyper bien de... Non, non, je le laisse prendre sa photo. Il gère. Oh. Je sais pas en qui t'es déguisé, ça me rappelle vite fait quelqu'un de loin. Mais de très loin, quoi. Je peux pas dire, mais ça me rappelle le joueur, gros connard. Ouais, j'ai... Putain, je te jure, je le retrouve, je crois que je lui casse à la gueule. T'as de la chance, je pense pas que j'ai les droits pour J-Kick. Terry. Allez, au suivant, ah, moi j'ai gagné... Jedi de France, c'était ça, non? Oh, oh, oui, pas mal. J'ai gagné une armure 800. Jedi de France. Oh mon, les vieux pseudos qui ressortent. Ah, ouais, mais lui, Jedi, je me rappelle encore. Prostituée de Brooklyn. C'est quoi ça? C'est Wonder Woman. C'est Wonder Woman. Ouais. Ah, ouais, Superwoman. Non, on parle de la meuf qui est sur le tapis. On parle de la meuf qui est près du bar, là. Hé, hey, j'ai trouvé des pièces au bar. C'est bon. Si, j'ai. La monnaie. Et bien après, c'est à qui? Bah, c'est à qui? C'est à qui? C'est à qui? Lui aussi. C'est à qui le tour? Et elle a gagné l'armure de ça, parce que je sais pas comment ça l'armure se L'armure de ça. De ça. La sangle d'armure. Un nez rouge et une perruque. Les autres. Photobombe. Ensemble d'armure ouais, d'insurgé. Ok. Et Kiki, il est déguisé en quoi? Image en Padawan? Non. En Jedi. Oh, oui, mais lequel? On dirait Nadia. Alors, je connais pas beaucoup de Jedi qui font ça. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Oui, il y a ma Padawan avec le Sith. La fille jouée, toute députée. Ouais. Elle danse aussi comme ça. Elle fait mini, quoi. Ouais, mais c'est vrai, ah, mais quand elle dansait comme ça, elle avait moins d'habits. De cheveux, j'ai plus eu le temps, mais la tenue, c'est la même qu'un maître Jedi. Mais c'est pas le mec sur Titon, là, le premier maître qu'on a? Orgus. Orgus. Okay. Ouais, mais c'est un mec, il n'y a pas de boobs en plus. Vous avez vu un peu ça? En Orgusa. Même pas Nery Tender, je l'ai dit il y a 2 minutes. Ah merde, j'ai pas entendu, désolé. En même temps, c'est le seul qui est comme ça. C'était mon idole tout au début du jeu. Ah, il avait la classe. Première minute. Il avait la classe, Orgus. Il meurt? Oui. Oh, non. Oh, vous allez spoiler Chamousse. Non, non, il va bien. Mmh. Ouais, il fait la bringue là avec les autres. De temps en temps, il nous rend une visite. Il coule des jours heureux sur Zyost. Mais... Ouais, c'est parce qu'il il a sa villégiature sur Zyost. Normal. Les radiations, c'est pas bon pour la peau. Tu vas faire ça comme... Ah ouais, pas mal. Vas-y, c'est bon. Par contre, si vous pouviez éviter de lancer des boules de neige, parce que j'en ai 2 ou 3, il y a juste une grosse boule de neige en plein milieu de l'écran. T'as tellement de chance que je puisse pas le faire. Ah mais déjà, il y a le gros ballot au fond. Attends, déjà, il faut donner à... Ouais, vas-y, ça me laisse le temps de chercher l'emote que je vais faire. Non mais attends, en plus c'est alors à qui bien. Félicitations. En plus c'est je trop suis bien. Le propriétaire d'une armure d'agent secret dont je ne peux pas traduire le nom.
Quoi? Tu peux pas prendre de flingue, non. Alors toi, ton déguisement était dur. Carmi, tu dégages. Comment ça, il était dur? Tu te fous de moi? J'y ai passé l'après-midi. Ouais, c'est pas facile. J'ai galéré. Tu sais quoi? Tu sais que j'ai deviné depuis tout à l'heure. Je me demande en quoi t'es déguisé. Et au moment où t'as fait le salto arrière, je me suis dit ah mais oui, Lara Croft. Voyons. Et j'ai même changé mes vœux, en plus. Ouais, 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 non. Mais t'as pas les. Vas-y, refais un salto. Ah, les paroquines. Wow. T'as pas les boules triangulaires. Il manque le boobs triangulaire et il manque la chevelure légèrement. Boobs triangulaire. Et c'est Lara Croft 2, ok, en 93. C'est toujours pareil. C'est aussi triangulaire le 2, le 3. Du coup, ça veut dire qu'elle aime. Elle aime les vieux trucs. C'est un signe pour Dardair ou comment ça se passe? L'année dernière, elle a plus de ça. Toi, par contre, normalement, je devrais pouvoir avoir les droits pour le J-Kick. Ah, du coup, c'est bon, hein, j'ai plein de photos. Par contre, t'es immobile. Bah, je veux mes cadeaux, quoi. Comment ça, je suis immobile surtout? Non, mais j'ai pas un Aurora Alienware, moi. Je peux pas prendre. Tiens, je vais faire l'immo de cligner des yeux. ça sur les attaques. Ah, drôle. Tiens, vas-y. Parfait. C'est bon? Allez, circulez. Non, je veux mes cadeaux. Le mec, il veut m'arnaquer, quoi. Attention, hein. Et on a Sarek aussi. Oui, oui, c'est le dernier sur la liste dans mes rangs. On est tous passés dessus? Non, il manque Sarek. Alors, t'as gagné l'armure de jungle. Ouais, merci. Félicitations. Ah bah je les mettre de côté. Ils sont perso. Ouais, ça va bien sur Lara Croft, l'armure de jungle. Eh ben, toi, ça faut va. Juste que tu penses à garder le short parce qu'elle est en short, qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il vente. Oui, non, c'est faux. Rambo, il va dans la jungle. Si, elle est tout le temps. Non. Non, elle est pas tout le temps en short. Dans le dernier, elle est tout le temps. Non, des fois, elle est en poil. Non. Dans l'ange des ténèbres. Tout le temps en jean dans le dernier. Dans les premiers jours. Non, on regarde comment elle est habillée en bas. Quoi. C'est vrai? Ah ouais? Bon, j'avoue, j'ai pas compris le truc. C'est maintenant que tu le dis. T'es pas tout seul à pas avoir compris, t'inquiète pas. Je savais pas qu'il fallait se déguiser en quelque chose. Bah, fais comme Barbe, mets-toi tout nu alors. Et c'est une blague? La neige que j'ai pourtant fait, c'est, moi, je pourtant, c'est bien, Ranger, mon habitude de me mettre tout nu en soirée. T'es carrément Power Ranger. Alors, j'ai des photos qui datent d'il y a longtemps. De quoi tu parles? Prouvant que tu aimes te foutre ta poil pendant les soirées. N'importe quoi. Ah, je veux pas voir ce genre de photos. Ah, ouais. En fait, là, ce que je n'ai pas dit, c'est que chez moi, je suis à poil. Les dossiers? Ah. Oui, non, mais. Alors, là, on a un héros de la République. Un seul mais non, c'est Force Bleue. Ouais, c'est Force Bleue. Ouais, on va dire ça comme Force ça. Force Bleue, c'est très bien. Bleu. Force jaune devant, marron derrière. Un peu. Tu veux faire une emote ou pas? Attends, je cherche. D'accord. Fais le mort. Alors, rappelle-moi que... Fais un bon soldat d'infanterie, allonge-toi sur le sol. Ah, le garde à vous, là, le... Tu sais... Salut. Salut. C'est salut, salut, c'est, ouais, c'est salut, je crois, hein, quelque chose comme ça. Slash hot dog, ça marche. Slash hot dog. Ah, moi j'aime bien celui-là. ça me rappelle quelqu'un. Ouais. Bah, vas-y, quand t'es prêt. Allez, attention. 3, 2, 1, hop. Fidèle à lui-même. Ouais. C'est bon. Pour l'année prochaine, j'aurais compris, quoi. C'est pas salué, c'est quoi, déjà? T'as wave, t'as salut, t'as salut, t'as garde à vous. Celui-là, c'est le garde à vous. Tu tapes ça et c'est bon, sans étoile. Allez, où le Power Rangers, là? Enfin, j'ai un truc. Allez. Attention. Et du coup... Ouais. T'as gardé une armure de Jedi. Champion ou quelque chose. Bonsoir. Salut, oui. Salut. T'arrives pile à temps. Voilà.
Salut. Merci. Tu enfiles ton déguisement et tu viens dans la forteresse. J'ai pas de déguisement, mais... On t'attend quand même dans la forteresse. Ça, ça fait longtemps, ça. Sunny, rappelle-moi, c'est Quentin en premier. Et oui, dans la liste. Tu décolles du serveur. Quentin, et oui, et Bolio. Et oui, l'âme, dis-moi, je crois que tu t'es endormi. En une heure, t'as eu dit. Putain, Ender, il a repris la place sur le monde, pas, il m'a encore des cadeaux. C'est clair. C'est le type qui doit avoir le plus de fortune réunie ici. Et... Attention. J'ai plein de pépettes aussi. Et encore, je suis gentil, je mets pas le. Le bruit du ronflement que t'as enregistré. Je mets pas l'enregistrement du ronflement. Que d'ailleurs, j'ai pas sur mon soundboard, mais c'est une idée. Moi, j'ai déguisé en noob. Chamous, je vais pas te donner de bisous parce que ton perso est probablement périclité dans la soirée, mais. De bisous. Je vais pas te donner de cadeaux. Mais je te donne un bisou. Voilà. Merci. C'est rare, hein. Même Derderbinks, il n'y a pas eu le droit. Hein. Non, mais c'est parce que c'est. Oh merde. On a la paupiette qui pleure, donc Derder va faire un AFK 2 secondes, vérifier que tout est ok. Ok. Parce qu'elle a vous voulez que je vous montre un truc que vous avez jamais vu? Non, tapis, garde ton pantalon, garde ton pantalon. Mais non, je vais vous montrer Derder qui meurt. Ça, non, ouais, tu vois, je suis déçu, c'est ça... que du loot vert. Ah bah, moi c'est du loot bleu, hein, donc bon. Yo. Ouais, il est bien. Personne ne voit pareil. Derder qui meurt, c'est impossible. Derder qui meurt, quoi. T'as vu ça où? Vu le bonhomme, oh, je m'attendais plutôt à un loot violet, voire... Moi j'ai vu souvent... Non mais c'est un loot d'une couleur spéciale, en fait. Surtout quand Sunny a vu un petit coup. Ouais, ou qu'elle écrit. Qu'il est possible qu'Ender meure, hein, des fois. Oui, quand sa chair étante ne fait pas attention à sa vie. Ouais, surtout, ça me fait rire parce que tout à l'heure, je suis retombé sur la vieille vidéo YouTube où t'as tout l'ancien roster HL qui se suicide sur le pack de corrupteurs pour empêcher Ender de quitter l'instance. Oh oui, putain, Tu te rappelles pas de ça? Si, non mais... Tu vois Agues passer en courant à poil. Et t'entends les gens gueuler, mais arrêtez, j'arrive pas à sortir. Ouais, et ouais. On est tous les uns après les autres en train de se jeter sur le pack pour les empêcher de sortir. Qu'est-ce que c'était drôle. Pour nous, ouais. Et oui, du coup, dès que tu arrives, on te donne tes petits cadeaux et puis après on passe à la suite de l'event. Qui ne fait que commencer, mesdames et messieurs. Je te donne. C'est bien, il y a des gens qui dansent au fond là-bas. Je vois Sarek qui est en train de s'éclater. Avec le suppo. Ah non. Le suppo, le suppo de Satan. Je sais pas s'il y a un titre suppo. Ou de sa tante. Remarque, il s'appelle Mortis, hein. Mortis. Il faudra tout pour écourter votre tente. Chez Mortis, on recrute. Voilà Mirette. Non, bah tu peux pas dire ça, on la voit pas. Moi, ce que je propose, Zéto. C'est qu'il y ait... C'est lui qui nous voit pas. Qu'il y ait Derder Zéto. Et Derder qui accueille Mirette. Zéto. Enlève ton personnage, ton partenaire hérétique. Coucou. Coucou. Eh, y'a pas un truc qui te choque? T'as pas trop bu là? Alors, qui est qui? On aurait dû lui dire d'enlever les noms, tu sais, au-dessus des têtes avant. C'est ça. C'est vrai que là pour quelqu'un qui regarde, oui, c'est vrai que ça peut être problématique. Moi, je m'en fous, il est aveugle. Allez, revenez par là, s'il vous plaît. Il y va à l'odeur. Il y va à l'odeur. Ça sent le cadavre. C'est vrai.
comment ça avait fait remonter tu peux enlever ton partenaire, tu vires Elara, s'il te plaît. Oh. Ah bah on avait force bleue tout à l'heure, on a force rouge. J'ai bleu ou vert si tu veux. Non, non, c'est bon comme ça. En bleu, c'est déjà pris. On va dire que c'est un hommage au Red 5. Rouge, c'est très très bien. Ah. Allez, pour un noir. Comme mon super raid. Ouais. Alors, tu fais face à Derder Binks et pas Ender Keldorn. Et je vais te prendre mon coup. Mais c'est précis, ça. Derder Binks. Ah, mais c'est force rouge. J'aurais su ça, au lieu de créer un perso, j'aurais directement mis mon ma gardienne qui est côté français. Parce qu'elle, elle a vraiment un déguisement que j'ai fait par rapport à un héros de manga. Putain, il y a Spider-Man, quoi. Non, il y a monsieur, je lui dis pas trop d'argent à dépenser. En perso de manga, j'ai Silver Crow et Super Mary. Moi, j'ai Kuro dans Fate Calamity. Un seul coup, j'ai pensé au professeur Kuro, j'ai dit comment il a fait ça. C'est pas ça que je vais faire. Assassin's Creed. Quand j'avais Captain Haddock. Côté FR. Comme j'avais Raskark Attack. Ouais, moi, il ressemble vraiment à Captain Haddock. Bon, les enfants, pour. Eh, hey, regarde-moi. Pendant qu'ils font leurs photos, je vous rappelle photo, pour la suite, enlevez vos armes, s'il vous plaît. Vous mettez votre arme dans l'inventaire, aucune arme, s'il vous plaît. Je veux qu'on soit tous avec nos petits points. Ça sent la partie JCJ, ça. On va faire un battle royal, mesdames et messieurs. On va pas se grouper, on va tous aller dans la zone et on va se taper dessus à coups de poing. Mais comment on tape? Tu fais juste. C'est bon, t'es prêt en photo. GG. On va pas faire les. On fait pas les trucs d'héritage. Vous faites juste un clic droit, clic droit, clic droit sur. Ah bon? Juste comme ça. Non, non, parce que tout le monde sait pas où c'est. Et alors, tu as gagné. Merde. Je me suis dit, rappelle-moi, du coup, c'est Quentin, et oui, et vous. Oui. C'est eux qui avaient gagné. Moi, c'est pas donc, tu as gagné une armure de Panthyr, loyaliste. Droit, ça marche. Un Spider Rendili, gardien. Oh, merci. Pourquoi moi, j'arrive pas à mettre mes points et tout? Parce que c'est Panthyr, merci. C'était la famille royale qui s'est fait massacrer. Les Panthyr, c'était.